Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du Vent se lève pour discuter, décrypter et analyser la proposition de loi dite de sécurité globale. Pendant une heure et demie avec Paloma Moritz, nous allons donner la parole à des invités qui nous permettront de mieux comprendre les enjeux autour de cette loi qui fait débat ces derniers jours. Pour en discuter aujourd'hui, nous accueillons Hugo Bernalicis, qui est député de la France Insoumise dans la deuxième circonscription du Nord. Il est particulièrement actif sur les questions de police-justice et c'est un opposant à la proposition de loi dite de sécurité globale. Nous accueillons également Jean-Baptiste Souffron, avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique, et à ses côtés, Yaël Benayoun, qui est diplômée en philosophie politique. Elle est la cofondatrice de l'association technocritique Mouton Numérique et co-auteure du livre « Technologie partout, démocratie nulle part », plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Un peu plus tard dans cette émission, Sylvain Louvet, le réalisateur du documentaire Arte « Tous surveillés, 7 milliards de suspects » nous rejoindra et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec Paloma. Paloma, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, les termes de cette loi? Oui, bien sûr. Déjà, bonsoir à tout le monde et bienvenue à nos invités. Merci d'avoir accepté de venir. Avant de vous demander, je vous le dis pour que vous prépariez à répondre, avant de vous demander comment est-ce que vous avez réagi, vous, chacun et chacune individuellement, en fait, à cette proposition de loi, quand vous avez appris qu'elle allait être proposée à l'Assemblée, je vais simplement faire un petit récapitulatif pour les gens qui n'auraient pas forcément suivi l'actualité ou du moins l'actualité sur cette question pendant cette semaine. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'au départ, l'objectif de cette proposition de loi, c'était de mieux coordonner les différentes forces de sécurité en France, donc en fait mieux faire fonctionner la chaîne de sécurité entre gendarmerie, police nationale, police municipale, entreprise de sécurité, etc. Donc en fait, à l'origine, c'était juste une traduction législative d'un rapport parlementaire qui était consacré au continuum de la sécurité vers la sécurité globale et qui a été remis au gouvernement en septembre 2018 par Alice Thourot et Jean-Michel Fauvert, qui sont tous les deux rapporteurs de la loi aujourd'hui. Elle devait être débattue en janvier 2020, mais en fait, son examen a été repoussé par la crise sanitaire. Et donc, c'est finalement cette semaine, depuis mardi, qu'elle est débattue à l'Assemblée après avoir été notamment amendée en fait par le ministère de l'Intérieur, qui a ajouté tout un volet sur la protection des policiers, à tel point que du coup, beaucoup considèrent aujourd'hui que c'est un peu un projet de loi du gouvernement. Pour rapidement donner les justifications qu'il peut y avoir derrière cette loi, l'idée c'est de protéger ceux qui nous protègent, c'est un peu la philosophie affichée de la proposition de loi et notamment de l'article 24 qui fait particulièrement débat aujourd'hui puisqu'il modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse en créant une nouvelle infraction pour pénaliser l'usage dit malveillant d'images des forces de l'ordre. Cette loi, elle veut aussi généraliser l'usage des caméras mobiles par les forces de l'ordre ainsi que celle des drones. Elle prévoit aussi la possibilité d'élargir le champ d'intervention des polices municipales de plus de 20 agents. Elle inclut un durcissement de la répression à l'égard des personnes déclarées coupables d'agression envers les forces de l'ordre. Bref, il y a énormément de dispositions qui posent beaucoup de questions sur le droit de manifester, le droit à la vie privée, la liberté d'expression et la liberté d'informer. Donc, pour le moment, cette loi est examinée à l'Assemblée. Il y a plus de 1300 amendements qui ont été déposés et le vote solennel est prévu le 24 novembre prochain. Voilà pour le petit point. Salomé, on t'entend pas. Tu as coupé ton micro. Ah oui, pardon. Désolée. Ouais, merci. Je disais, tu l'as très bien dit. Le mot d'ordre un petit peu de cette loi, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Et notamment pour justifier l'article 24, il y a plusieurs députés de La République En Marche, et notamment les co-rapporteurs de cette loi, donc Monsieur Fauvergue, qui est l'ancien patron du RAID de 2013 à 2017, et Alice Thourot, ainsi que, donc, qui est elle aussi co-rapporteur, ainsi que Gérald Darmanin, qui soutient vraiment cette proposition de loi, donc le ministre de l'Intérieur. Et pour ça, ils ont tous un petit peu ce même argument, notamment pour justifier cet article 24, qui est que les policiers seraient constamment victimes de menaces sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Et il y a un exemple qui a été beaucoup ressorti sur les plateaux de télévision, c'est que les policiers, pour beaucoup, n'oseraient même plus aller au supermarché ou sortir dans des lieux publics le dimanche avec leur famille, parce qu'ils seraient reconnus et ils seraient en danger, notamment à cause de la diffusion d'images de leurs personnes sur les réseaux sociaux, donc avec l'intention de leur nuire.
Et ce qu'il faut préciser, c'est que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vraiment de statistiques ou de rapports ou d'enquêtes qui aient été faits sur ce phénomène. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une loi, en tout cas avec cet article-là, pour répondre à un problème qui est principalement dénoncé par certains syndicats de police en France qui effectivement disent que voilà, ils ont beaucoup ces retours-là des policiers, mais aujourd'hui, on n'a pas eu de vraie étude de fond qui a été faite sur ce phénomène, ce qui voilà, interroge vraiment sur les motivations qui peuvent être derrière cet article 24 et sur la loi dans son ensemble. Une loi qui a rencontré très rapidement, enfin une proposition de loi, hein, pardon, qui a rencontré très rapidement une vive opposition de la part de différentes associations, des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi de nombreux journalistes ou encore de juristes. Et donc j'aimerais commencer avec cette première question à nos invités, peut-être vous, Jean-Baptiste Souffron. Comment est-ce que vous avez réagi la première fois que vous avez entendu parler de cette loi de cette proposition de loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui? Votre micro n'est pas activé, excusez-moi. C'est un peu traître. Oui, un premier point, c'est que quand on regarde ce texte, on en vient à ce... La plupart des commentateurs juridiques ont tendance à dire que c'est un texte qui, en réalité, est inutile et qu'en fait, c'est justement parce qu'il est inutile, au fond, qu'il est dangereux. Un des gros problèmes, c'est que c'est un texte qui véhicule, en fait, un fort contenu idéologique et politique et pas tellement un contenu technique ou juridique. D'une certaine manière, on imagine très bien, le texte contient tout un tas de garde-fous qui sont censés permettre, bien sûr, aux gens qui seraient éventuellement poursuivis parce qu'ils auraient filmé des policiers, de ne pas finalement tomber sous le coup de la loi. Mais en pratique, ces garde-fous n'empêcheront jamais les forces de l'ordre de leur mettre une pression qui serait, elle, fondée sur l'existence même de ce texte, pression qui aujourd'hui n'existe pas et ne souffrirait pas d'excuses. Et un des points qui immédiatement frappe l'esprit, c'est que si on est face à quelque chose qui n'est pas quelque chose de technique ou de juridique, ce n'est pas un texte de loi, en fait, dont on nous demande de débattre aujourd'hui. C'est vraiment purement un discours politique et une manifestation d'opinion. Et je pense que c'est très important parce que sinon, on rentre dans des débats juridiques, oui, mais il y a une jurisprudence qui dit ça, il y a un texte qui dit ça, et puis la CEDH protège de cette façon, mais ce n'est pas le problème. Je pense qu'il faut écouter les mots qui sont prononcés ou qui sont proposés dans le cadre de cette proposition, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'en fait, on veut criminaliser des gens, peu importe que ça soit effectif, pas effectif, c'est justement le fait que ça soit effectif, que ça ne soit pas effectif, qui est encore pire, j'ai envie de dire. À la rigueur, si c'était un texte qui a un sens, mais ce texte n'a aucun sens, et c'est même une des revendications des auteurs du texte que de dire qu'il n'en a pas. Et c'est donc bien qu'on est face à une démarche et à une symbolique qui est purement politique, et d'un point de vue politique, je suis désolé, mais demander, mettre, criminaliser des gens qui veulent simplement contrôler, parce que c'est ça le souci qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de contrôler ce que font les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir contrôler ce que font les forces de l'ordre? Est-ce qu'on n'a pas le droit de contrôler la manière dont, par exemple, les élus dépensent les impôts? Est-ce qu'on n'a pas le droit de contrôler la manière dont plein de décisions publiques sont prises en France? Mais là, les forces de l'ordre, ce serait différent. Elles, on n'aurait pas le droit de les contrôler. Et même, ce serait interdit. C'est vraiment le sens de ce texte. Et ce sens, il est contradictoire d'une part avec n'importe quelle vision de la démocratie aujourd'hui en France. Alors, c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette habitude de l'habeas corpus. On n'a pas cette habitude qu'avant de prononcer une sanction, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui justifie cette sanction et qu'il y ait des garde-fous systématiques qui soient posés. Mais tout de même, la France est une grande démocratie et qu'une grande démocratie ose aujourd'hui en 2020 avec... la demande qui est celle des citoyens qu'on ose faire sauter un contrôle supplémentaire facile à gérer en plus. Parce que de quoi on parle? Vous avancez peut-être un petit peu trop là-dedans. On va y venir un peu plus tard. Le point qui me paraît important, c'est qu'on présente ça comme une proposition de loi. Pour moi, ce n'est pas une proposition de loi. Il s'agit purement d'un discours qui, en plus, probablement a très peu de chances de passer à la fin, les amendements sont nombreux, le truc va être édulcoré, in fine, il y a de fortes chances que, de toute manière, une bonne partie du texte se révèle anticonstitutionnel, si ce n'est la totalité, voire même qu'à la fin, même si ça passait, ce serait in fine, enfin, ça aboutirait à des condamnations de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme,
mais ce qui est curieux quand même, et c'est vraiment un problème, hein, c'est que le travail du législateur, c'est de faire des textes de loi. En fait, c'est la deuxième fois, après un autre texte qui avait suscité le même genre de réserve, qui était la loi Avia, qu'on voit un texte, donc là, c'est pour le coup, ce n'est pas la loi Darmanin, puisque ça a été proposé par des députés, mais il a même, on voit bien qu'il a voulu prendre une petite réserve par rapport à ça, mais on n'est pas face à une proposition de loi. Ce n'est pas une loi. C'est injurier le travail législatif. On va y revenir vraiment plus en détail après. La Ligue, c'était simplement de lancer un peu la discussion sur les ou dans Valeurs Actuelles, ou dans des choses encore bien pires que ça et qui ne méritent peut-être pas d'être appelées des journaux. Là, oui, on serait face à quelque chose, mais en réalité, on est face à quoi? On est face à un poste sur Français de souche. Voilà face à quoi on est aujourd'hui. On n'est pas face à un texte de loi. Il faut arrêter de mélanger les torchons et les serviettes. Un texte de loi, c'est quelque chose de travaillé qui s'inscrit dans un contexte avec une utilité. Là, on est face à une déclaration politique qui n'a aucun sens et qui est, en plus de ça, une déclaration d'extrême droite. Donc, il faut le merci dire beaucoup. Franchement et simplement, c'est tout. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et voilà. Souffrons, on va juste donner la parole à Yael Benayoun. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réaction? Est-ce que votre réaction a été similaire à celle de Jean-Baptiste Souffrons? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi, j'aurais pas forcément le même axe, puisque n'étant pas juriste, c'est compliqué d'analyser la loi de cette manière-là. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que donc l'association Le Mouton Numérique, on a été hyper inquiets, bien sûr, quand on a vu la loi arriver, parce qu'elle vient renforcer et légitimer 40 ans d'une vague sécuritaire. C'est pas nouveau, mais on voit que déjà ces derniers mois, avec les différents confinements, il y a eu un déploiement et une massification des équipements de surveillance qui ont été mis en place, et que là, ça ne fait en fait que légitimer c'est vraiment le terme, légitimer ces actions qui d'ailleurs pour certaines ont été décrétées illégales hein, par le Conseil d'État. Donc on est vraiment dans une logique sécuritaire qui est vraiment vraiment très inquiétante, et du coup on a rejoint sans hésiter la centaine d'associations d'ailleurs dont vous avez parlé qui a signé une tribune initiée par la Quadrature du Net notamment pour s'opposer à cette loi. Oui, on l'a évoqué en début d'émission, il y a eu énormément de réactions à cette loi, des pétitions, la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a publié un communiqué, la défenseure des droits Claire Hédon qui a estimé qu'elle faisait peser des risques considérables sur la liberté d'informer et le droit à la vie privée, l'ONU, Amnesty International, la Quadrature du Net qui dénonce une surveillance généralisée. Est-ce que là maintenant, on pourrait se pencher très rapidement sur où en sont en fait donc avec vous Hugo les débats à l'Assemblée nationale sur cette loi, puisque ça fait maintenant presque 3 jours entiers que vous débattez sur cette loi à l'Assemblée nationale, quelle est l'ambiance et où est-ce que vous en êtes exactement? Alors l'ambiance, c'est que on a passé énormément de temps, on a commencé en fait mardi soir à 21h hein, on a passé énormément de temps sur l'article 1 qui est sur l'expérimentation de nouvelles missions pour la police municipale, qui en fait, c'est pareil, c'est un faux débat. On dit qu'on vient donner des missions nouvelles à la police municipale, alors qu'en réalité, au titre de l'article 73 du Code de procédure pénale, ils peuvent déjà constater des infractions. Juste aujourd'hui, ils doivent le transmettre à un officier de police judiciaire de la police nationale pour transmettre au parquet. Et là, ils veulent que les policiers municipaux puissent transmettre directement au parquet sans passer par un officier de police judiciaire de la police nationale. Et quand on les entend parler, c'est comme si finalement les policiers municipaux ne pouvaient rien faire aujourd'hui, ne pouvaient rien constater, ce qui n'est pas vrai puisqu'ils peuvent déjà le faire comme je viens de vous l'indiquer. Et donc on nous prend pour des neuneux, comme d'habitude, dans l'hémicycle, et ça, c'est pas que sur ce texte-là, mais c'est un peu l'ambiance où finalement il y a les sachants au banc, etc. Bon, alors on a fait la démonstration pour ce qui est du groupe La France Insoumise, mais aussi quelques autres, qu'on maîtrisait tout en tant que le sujet et qu'on avait une autre vision de ce qu'était la police municipale. Et là, on est sur le titre 2, on l'a commencé tout à l'heure, donc on a commencé l'article 7, là on est actuellement au moment où on se parle à l'article 10. Le titre 2, c'est sur les agents de sécurité privée. Donc, en théorie, pour améliorer le contrôle de ce secteur, finalement, il y a une partie, je ne vais pas dire amélioration, mais plutôt modification du contrôle, parce qu'il y a y compris des ordonnances, donc on verra ce que ça donne, il y a un accroissement des missions des agents de sécurité privée. Par exemple, l'article 14 propose que dans la,
leurs compétences périmétriques qui peuvent être habilitées par le représentant dans le département quand ils font de la surveillance autour d'un bâtiment, par exemple, à pouvoir constater des infractions, faire de la sécurité publique, quoi, enfin, de la police. Et on vient ajouter aussi qu'ils peuvent le faire dans le cadre de la menace terroriste. Voilà. Et donc, par l'extension de cette question de la menace terroriste, qui est le fil conducteur, finalement, même quand on parle de police municipale, on vient nous parler de Samuel Paty, du terrorisme, etc. Ça irrigue l'intégralité du texte. Donc, on est dans cette ambiance-là où nous, faut qu'on sorte de ça, de ce pathos qui est mis en avant, cette irrationalité, pour essayer d'avoir des arguments de fond et de discuter finalement de qu'est-ce qu'on veut faire à la police municipale, qu'est-ce qu'on veut faire à la sécurité privée. Bon, après, ils sont un peu sur les dents, très concrètement, parce que la manif de mardi soir les a plutôt desservis, vu l'actualité médiatique qu'il y a eu autour derrière les arrestations de journalistes et les protestations de... Oui, on va en parler, on a une vidéo là-dessus. De journalistes, y compris de médias officiels, entre guillemets, hein, en tout cas de grands médias. Donc ils sont un peu sur les dents. Moi, je passe mon temps à les taquiner, ça les insupporte. Et puis, ils avaient prévu un calendrier où on est censé terminer le texte vendredi soir, c'est-à-dire demain soir en réalité. Là, il reste, en temps réel, je peux vous dire qu'il y a 640 amendements. Il y en avait 1000 quand on a commencé mardi soir. Je ne sais pas comment on fait 640 amendements d'ici vendredi. Donc, le plus probable, c'est que le débat se poursuive samedi. Et pour ce qui est de l'article 24, je pense qu'il arrivera, en fonction de si j'ai réussi à beaucoup leur casser les pieds ou pas, arrivera vendredi soir ou samedi matin. Voilà. Et du coup, c'est pas plus mal finalement que ce soit samedi, si c'est le cas, puisque c'est le jour de la mobilisation indiquée par toutes les associations contre le texte et contre particulièrement cet article 24. Mais je voudrais pas qu'on focalise sur l'article 24 parce que nous, on s'oppose à l'intégralité du texte qui nous pose problème. Même la partie réfléchie, continuum de sécurité, non, ça va pas de soi. Ça va pas de soi. On va en parler justement. Vas-y. Paloma, pardon, vas-y. On va commencer en fait un petit peu par cet article 24 et bien sûr, on va parler de la loi dans son ensemble parce que l'article 24, c'est finalement ce qui aujourd'hui fait le plus parler de lui. Paloma, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les termes exacts de cet article 24 qui inquiète particulièrement ? Ouais, je fais les fiches techniques de l'émission. Du coup, en fait, donc pour encore une fois, hein, c'est vraiment pour les personnes qui nous suivent pour que ce soit bien clair. L'article 24 du texte prévoit en fait de punir la diffusion par tout moyen de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention, quand cette diffusion a pour but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Donc, c'est là où le flou juridique est dénoncé. Et donc, en fait, ça créerait un nouveau délit puni d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. C'est une promesse qui avait été faite par Gérald Darmanin depuis un moment, puisque il avait dit qu'il ne permettrait plus de pouvoir diffuser les images de gendarmes sur les réseaux sociaux. Et donc, il a réaffirmé récemment en disant que cette promesse sera tenue. Et donc, il y a toute une question de flou qui se pose par rapport à ça. Et il y a vraiment une peur, en fait, que les policiers qui s'opposent, en fait, déjà très souvent aux captations photos et vidéos, qui sont légales dans l'espace public, se sentent encore plus légitimes à le faire et qu'il y ait une forme aussi d'autocensure qui puisse se créer chez les journalistes. Et donc, il y a énormément de sociétés de journalistes qui ont dénoncé cet article-là et notamment aussi la défenseure des droits qui souligne que l'information du public et de la publication d'images relatives aux interventions de police sont légitimes et nécessaires au fonctionnement démocratique, sans rappeler que c'est grâce à la publication de la plupart de ces images-là sur les réseaux sociaux que la plupart des violences policières et notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes ont pu être dénoncées. Donc voilà. Ben oui, je te rejoins complètement, Paloma, sur ce que tu dis. Et notamment, moi, je fais partie des journalistes qui sont particulièrement inquiets à cause de cette loi, notamment parce que, en tant que journaliste de terrain qui couvre parfois les manifestations, j'ai été confrontée à de nombreuses reprises à des situations où déjà, alors que cette loi n'est pas passée, n'est pas en vigueur, il est déjà extrêmement compliqué dans certaines situations de faire son métier correctement. Et on est très souvent repoussé par les forces de l'ordre, voire régulièrement les policiers nous disent vous ne pouvez pas filmer, alors que si, on peut filmer. Je peux donner un petit exemple, c'était mardi, alors pas ce mardi là mais le mardi d'avant, j'étais aux manifestations lycéennes, donc pour qui demandent plus de mesures sanitaires dans les lycées. Les forces de l'ordre ont été particulièrement virulentes et ils ont laissé donc des mineurs, des lycéens souvent complètement pacifistes, et quand on veut
filmer ça. Les forces de l'ordre ne nous donnent pas la possibilité, en fait, d'être à côté sans être mises en danger. Donc, ils nous disent soit vous vous éloignez complètement, vous ne vous mettez pas derrière nous, soit vous vous mettez dans la nasse et vous vous exposez à des violences. Et les policiers nous disent ça comme ça, alors qu'on est censé être protégé par notre statut de journaliste. Donc, on voit bien que c'est déjà extrêmement compliqué. Et autre élément de preuve, c'est les manifestations auxquelles vous faisiez référence, Hugo, ce mardi, donc il y a deux jours, justement, devant l'Assemblée nationale. Il y avait un appel à manifester contre cette proposition de loi et les policiers n'y sont vraiment pas allés de main morte. Ils ont fait usage de canons à eau, de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Et puis, sur plusieurs vidéos, voilà, on peut voir des journalistes, encore une fois, parfaitement identifiables, qui sont molestés, menacés, frappés, voire arrêtés. On pense à cette journaliste de France 3, mais aussi à cette jeune reporter, Anna Nelson, qui a été mise en garde à vue pendant près de 24 heures pour attroupement après sommation, ce qui, en fait, ne veut pas dire grand-chose quand on dit ça à un journaliste, parce qu'un journaliste est censé pouvoir être là et pouvoir continuer à couvrir. Avec Le Vent se lève, on vous a préparé une petite vidéo, petit récapitulatif de la manifestation de ce mardi soir. Je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Donc les journalistes, soit vous circulez tout de suite derrière les forces avec votre carte pro, sinon pour le reste, prenez le métro. Les sommations ont été effectuées. On a pour ordre d'interpeller pour attroupement. Terminé maintenant. Voilà, donc des images assez fortes de ce mardi. Et la plupart des images qu'on vous a sélectionnées sont des images de journalistes hein, qui ont vraiment été parfois mises à l'écart voilà, jusqu'à l'interpellation. Jean-Baptiste Souffron, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images de mobilisation à l'encontre de cette loi? Déjà, est-ce que c'est légal ce qui est en train de se passer quand les journalistes, quand les policiers pardon, disent aux journalistes, comme on l'a vu sur cette vidéo, qu'ils doivent partir? Est-ce qu'ils ont le droit aujourd'hui de faire ça? On vous entend pas, pardon, il faut oui. C'est bon. Je disais, c'est pas vraiment la question, bien sûr que non, le droit de manifestation est important, et s'il n'y a pas tout à l'ordre public, c'est délicat pour les forces de police de disperser qui que ce soit. Maintenant, si elles sont débordées, on peut comprendre. Non, mais on peut aussi comprendre que parfois, ça soit compliqué pour les policiers, mais là, c'est pas ce qu'on voit dans les images que vous avez montrées. On n'est pas dans ce genre de situation. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en fait, le fait de filmer les forces de police, c'est une question qui n'est absolument pas nouvelle. C'est quelque chose qui a commencé il y a déjà de nombreuses années, déjà avec l'apparition ne serait-ce que des appareils photo ou des vidéos, et on a déjà eu des situations où les forces de police, à de nombreuses reprises, ont essayé de prendre des appareils photos, de prendre des caméras, ainsi de suite. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a dans sa poche un téléphone, tout le monde a dans sa poche de quoi filmer de façon correcte et avec une très bonne qualité. On devrait s'en réjouir, en fait. En réalité, même les forces de police devraient plutôt s'en réjouir. Finalement, c'est aussi une façon pour elles d'être disculpées, quoi, parce que
On voit aussi souvent des forces de police qui sont accusées d'avoir fait des choses qu'elles n'ont pas faites. On imagine très bien qu'elles puissent de cette façon-là réussir à expliquer un petit peu mieux les choses, ainsi de suite. Mais ce n'est pas du tout l'axe qui est proposé. En fait, ce qui est menacé là, il ne s'agit pas d'un débat sur les manifestations, il ne s'agit pas d'un débat sur les forces de police, il ne s'agit même pas d'une volonté de défendre les forces de police, hein. Il s'agit tout simplement d'une attaque franche et nette contre la liberté d'information et même au-delà contre la liberté de communication. C'est ça qui est visé, parce que bien sûr les journalistes sont visés hein, en tant que une profession qui a besoin de pouvoir filmer, etc. Mais j'ai envie de vous dire que je suis limite moins inquiet pour les journalistes que pour les gens qui font l'objet de contrôles, d'arrestations ou les témoins qui viennent aller voir de temps en temps. Pourquoi ? Ben parce que le journaliste que vous êtes, vous allez vous former, vous allez savoir quels sont vos droits. Le vrai risque aujourd'hui, c'est que avec un texte de ce type, les forces de l'ordre se sentent la possibilité et elles l'auront, de pouvoir mettre des journalistes en garde à vue. Ça, c'est nouveau. Hein. Il faut bien avoir conscience que d'un point de vue concret, si ce texte devait être adopté, bien sûr, à la fin, avec les garde-fous qui sont dedans, en tant que juriste, mais c'est ce que je disais au début, je pense qu'il ne faut pas analyser ce texte en tant que juriste, ce n'est pas un texte juridique, hein, mais en tant que juriste, les juristes vous diront « oui, mais il y a des garde-fous, il faut qu'il y ait une intention de nuire, etc. » Oui, sauf que quand vous serez, vous, les journalistes, en garde à vue pendant 48 heures dans un poste de police, toute la nuit humilié et dans une situation difficile, parce que c'est pas le Ritz hein, et c'est pas non plus l'hôtalibis du coin, c'est vraiment difficile, c'est vraiment quelque chose de dur. Quand ça va vous arriver une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, la sixième fois, quand un officier de police vous dira ah non attendez, il vaut mieux que vous partiez, qu'est-ce que vous ferez? Vous partirez. Pourquoi? Parce que vous en avez marre, parce que c'est trop fatigant, parce que vous serez crevé. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. En fait, moi, c'est ça le point qui me choque dans le texte, dans cet article 24. Mais Hugo Bernal ici, ça avait parfaitement raison de dire qu'on s'intéresse à cet article 24 parce qu'il est particulièrement illustratif. Mais l'intégralité du texte est un véritable délire. Et cet article 24, si vous voulez, c'est ça le point concret. Si moi, je suis avocat, donc dans la pratique, dans les choses qui vont m'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des coups de fil de journalistes qui sont arrêté en garde à vue. Et cette garde à vue, vous ne pourrez rien faire contre. Parce que l'officier de police qui va le faire, qui va vous emmener au commissariat, il va dire « bah oui, mais moi, présomption, les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent « sale flic, ceci, cela », qui commentent de façon émotionnelle la manifestation ou les interactions qui peuvent avoir lieu. » On dira « mais attendez, mais moi, ok, peut-être après quand on regarde, quand on fait l'analyse mot à mot de ce qui s'est passé, certes, il n'y aura pas de sanction contre vous. Mais la sanction, ce n'est pas 48 heures de garde à vue. La sanction, c'est un an de prison. Mais les 48 heures de garde à vue, c'est déjà quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Mais pas du tout. Et j'ai rarement vu dans une démocratie actuellement des gens proposer que finalement, dans les manifestations, ça ne se fait pas plus mal de les réguler en mettant une petite garde à vue de 48 heures sur les journalistes. Maintenant, je le disais, ce n'est pas les journalistes qui m'inquiètent le plus parce que vous, vous allez vous former, vous allez vous préparer. Même si vous êtes mis en garde à vue, il y en a certains qui sauront s'endurcir, qui sauront avoir les bons réflexes, prévenir leur rédaction, être entouré. Mais n'importe quel manifestant peut se retrouver dans cette situation. Vous avez des gens qui vont caillasser les forces de l'ordre qui vont réagir, peut-être même de façon correcte, hein, faut le savoir. Et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui filme, et là, vous avez un officier qui lui fait pas bien son travail, qui va arrêter la personne qui filme en disant « vous n'avez pas le droit de filmer ça », en croyant qu'il fait quelque chose de bien. Vous voyez, je me mets même dans la situation positive vis-à-vis des forces de l'ordre. Qui va embarquer la personne, mais cette personne, elle va revenir dans une manifestation. Vous croyez qu'elle a mérité parce qu'elle a été dans une manifestation, qu'elle a voulu la documenter un peu, qu'elle a voulu contrôler ce qui se passait, faire son travail de citoyen, parce que citoyen, c'est un travail. Hein. Il faut arrêter de penser que les seuls actifs dans une démocratie, ce sont les fonctionnaires et les politiques. Être citoyen, c'est aussi quelque chose qui mérite le respect. Et bien tout d'un coup, il va passer 48 heures en garde à vue. Et lui, il n'est pas formé. Ou elle, elle n'est pas formée. Il va se retrouver comme ça, alors que peut-être il avait prévu autre chose, bien sûr, mais surtout humilié, fatigué, épuisé, et avec évidemment une envie de ne jamais le refaire. C'est déjà une punition. La garde à vue, c'est de la prison. Hein. Il ne faut pas se raconter des histoires. Mais c'est quelque chose qui... C'est 2 jours de prison, et ça, de façon quasi automatique et sans recours possible. Moi, je trouve que c'est déjà inacceptable. Il n'y a même pas besoin d'aller voir plus loin. C'est déjà n'importe quoi. C'est quelque chose qui est dénoncé aujourd'hui, notamment aussi le fait que les policiers pourraient se saisir de cet article-là pour confisquer de manière préventive le matériel en fait des journalistes ou même des citoyens qui filmeront ou autres.
Simplement pour faire un petit point d'actualité, en fait, il y a donc cet article 24, il y a certains députés qui ont demandé à ce qu'il soit supprimé. Gérald Darmanin a dit qu'il n'en était pas question, et donc en fait, il y a un amendement qui a été proposé pour ajouter l'adverbe manifestement. Donc par rapport à l'article que je vous ai lu tout à l'heure, ce serait dans le but qu'il soit manifestement porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier. Et donc l'idée derrière ce manifestement, ce serait de caractériser l'intention de nuire. Je rappelle aussi par rapport aux images qu'on a pu voir sur la manifestation de mardi soir, il a été question de parler du fait que les journalistes n'avaient pas demandé, ne s'étaient pas signalés auprès de la préfecture et que en fait, au regard du nouveau schéma du maintien de l'ordre, il fallait les journalistes avaient l'obligation aujourd'hui de se signaler à la préfecture. Donc c'est quelque chose qui est quand même complètement hallucinant. Hugo Bernalicis, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette mise à jour qui a été faite aujourd'hui? De cet article 24 qui, je le rappelle, a toujours pas été débattu à l'Assemblée, comme vous le disiez, le sera sûrement dans la journée de samedi. Bon, alors là, tout le monde est en train de sortir de l'hémicycle. Il y a Gérald Darmanin qui vient de passer à 5 mètres de moi, donc je vais faire un petit signe. Donc, on va le dire du mal de son texte à proximité de lui, il sera encore plus, ça donnera peut-être un peu plus d'énergie. Non, c'est du foutage de gueule. Et d'ailleurs, l'expression a été utilisée, du floutage de gueule. Je pense que c'est à mon avis, ça résume bien le texte dans son intégralité, cet article 24 en particulier. Que si, même si vous rajoutez manifestement, à la fin, ça aboutira à quoi? Que le policier qui aura arrêté la personne arbitrairement aura d'autant plus tort devant un juge. Voilà. Mais en attendant, il vous aura quand même arrêté, placé en garde à vue, parce qu'il aura présumé que vous êtes manifestement en train de porter atteinte à son intégrité psychique. C'est tout. C'est tout ce que ça va changer. Et ils peuvent même dire que on garantit la liberté de la presse, machin, etc. Voilà. Ça aura la même capacité d'arbitraire pour un policier. Et là où ce débat semble aussi un peu lunaire, c'est que, on l'a dit, déjà en l'état actuel de la loi, la police abuse de ses prérogatives et du code de procédure pénale pour placer des tas de gens en garde à vue, dont des journalistes, dont des gens qui font des lives. Ils utilisent soit l'outrage. L'outrage a été massivement utilisé pour placer des gens qui étaient en train de filmer en garde à vue. À la fin, le policier a tort devant la justice, etc. Mais pareil, la personne a fait 24 ou 48 heures dans le pire des cas, a passé un sale moment et ça dissuade. Pareil, hein, d'ailleurs, tiré dans le visage au LBD, ça dissuade de revenir en manif en général, hein. C'est toute une rhétorique et une pratique de la dissuasion pour empêcher, entraver la volonté des citoyennes et des citoyens d'aller en manifestation. Moi, j'avais proposé une plainte à la Cour de justice de la République, on est en train de la retravailler contre Castaner, quand il avait notamment déclaré que toute personne qui allait en manifestation et dans laquelle il y avait de la casse serait complice des casseurs et donc potentiellement interpellable, placé en garde à vue, etc. etc. Bon, ça participe de cette logique-là. Souvenez-vous que l'histoire de flouter les policiers, ça a été mis en circulation il y a déjà quasiment 7 ou 8 mois par Alliance qui l'avait réclamé, Éric Ciotti qui avait fait une proposition de loi, à l'époque Castaner qui s'est dit « oui, faut voir, faut regarder ». Les gens m'interrogeaient, ils ont dit « Hugo, t'as vu passer ce truc, est-ce que tu crois que ça va arriver ?» J'aurais dit « c'est qu'une question de temps, mais oui ». Oui, tout comme pendant l'application pour l'application Stop Covid, Olivier Véran avait dit non, hors de question qu'on fasse des applications qui tracent les gens, on est dans une grande démocratie, etc. 3 semaines plus tard, il vous expliquait qu'ils étaient en train de travailler sur une application. Donc, il y a une dérive autoritaire qui est dans ce texte, mais qui est déjà dans la pratique aujourd'hui de la gestion des manifestations et des foules. Et le schéma national du maintien de l'ordre, il vient juste rappeler à des policiers qui peuvent faire de l'arbitraire, en fait, qui peuvent avoir un comportement arbitraire en manifestation, parce que le schéma national de maintien de l'ordre, il dit que vous pouvez vous faire accréditer, vous pouvez vous rapprocher de la préfecture. Il ne vous oblige pas à le faire. Et on voit comment c'est traduit dans les instructions et derrière à l'officier, parce que le type qu'on voit dans la vidéo, dans votre reportage, que vous n'avez même pas flouté, attention à vous, c'est un officier. C'est pas un gardien de la paix. C'est un gradé. Donc en plus on a quelqu'un qui est normalement censé être complètement au fait des dispositions qui sont là. Donc on voit bien qu'à partir du moment où, y compris la hiérarchie est dans cette logique-là, mais en même temps quand vous avez comme super chef Didier Lallement, il fallait pas s'attendre à mieux, hein, ça c'est clair. Mais on voit bien comment cet article-là vient terminer de consacrer une ambulance de dissuasion massive de faire en sorte que les gens manifestent.
On l'avait vu au début du mouvement des Gilets jaunes, et je vais m'arrêter là-dessus. Moi, j'avais des témoignages dans la manifestation fonction publique, ce qui est contre la loi fonction publique, qui est passée maintenant il y a un an et demi, si je ne vous dis pas de bêtises. C'était le début, c'était en mars 2019, donc ouais, ça va bientôt faire un an et demi. Donc on était déjà après plusieurs mois de Gilets jaunes, et les fonctionnaires que je voyais là qui s'arrêtaient pour discuter avec nous disaient « Mais moi, je ne vais pas aux manifs de Gilets jaunes, j'ai trop peur. J'ai trop peur. » Voilà, j'ai peur de me prendre un coup, j'ai peur de me prendre une balle perdue de LBD, de grenade de désencerclement, de je sais pas quoi. Et vous vous retrouvez vite dans la masse. Regardez ce qui s'est passé avec les soignants, la manif des soignants où il y a, je sais plus comment elle s'appelait, cette infirmière qui a fini par en réaction balancer des trucs sur les policiers. Bon, on voit comment tout ça est parti en cacahuète par une mauvaise gestion du maintien de l'ordre et des mauvaises décisions. Alors est-ce qu'elles sont mauvaises ou est-ce qu'elles sont voulues, j'en sais rien, mais en tout cas ça reste des mauvaises décisions. Donc attention, cet article 24, il vient consacrer une pratique déjà existante, abusive et arbitraire. Oui, de judiciarisation du maintien. Du côté policier et du côté judiciaire, parce que je vous rappelle qu'il y a eu une note du parquet de Paris pour maintenir le plus longtemps possible en garde à vue des Gilets jaunes, pour éviter qu'ils regagnent la manifestation. Alors, on nage en plein délire. Oui, donc c'est effectivement une logique qui est déjà très compliquée en manifestation, des pratiques qui existent déjà, que cette loi va consolider, voire va rendre légal. Yael Benayoun, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là de l'article 24 notamment ? Oui, totalement. Non, je voulais juste rebondir très rapidement. Effectivement, l'adjectif rajouté manifestement ou pas manifestement, bah, comme ça a été très bien dit par Jean-Baptiste Souffron et Hugo Bernalicis, de toute façon, en fait, on est dans une logique où on est dans on va dire dans des logiques d'intimidation, enfin, c'est vraiment ça qui a été dit, et aussi dans une vision du maintien de l'ordre qui est quand même assez particulière, parce que là, très schématiquement, ça fait même plusieurs mois et années en particulier qu'on est dans un maintien de l'ordre qui est en confrontation avec les manifestants et en fait dans une répression, qui est donc, comme on l'a dit, une atteinte au droit de manifester, un droit tout simplement d'exprimer aussi un avis contradictoire. Enfin, on est quand même en démocratie, normalement, il y a quand même des moyens qui doivent être pouvoir activés pour donner son opinion, tout simplement. Droit à l'information, ça a été dit, et même si on va plus loin, au droit à la désobéissance, la désobéissance civile est quand même dans la loi. Si on est dans une logique de prévention à chaque fois, et je pense qu'on y reviendra plus précisément avec les outils et les technologies qui sont déployées et qui rentrent un peu dans cette logique de police prédictive, comme on dit, on est dans une logique où effectivement on inverse la charge de la preuve. Ce n'est plus, comme normalement c'est quand même le cas en France, ou en tout cas dans le système juridique français, où ce sont les autorités qui sont censées prouver votre culpabilité. Là, on renverse et c'est à vous de prouver votre innocence. Et comme on l'a dit, à un moment même où vous n'avez pas le droit, pour le coup, de filmer, vous, les policiers, les abus que vous pouvez subir, alors même que eux ont au contraire les moyens, d'avoir ces outils-là et ces preuves-là, quoi. Et pourtant, je pense que c'est aussi bien de le rappeler, il y a d'autres visions du maintien de l'ordre qui devraient pouvoir exister, enfin qui existent d'ailleurs, notamment celle d'accompagner les manifestations, où là on est dans une protection des manifestants, là c'est quand même, on est à l'opposé, enfin je pense qu'il y a aussi un mauvais débat là-dessus sur la compréhension du rôle en fait que doit avoir à la fois les forces de l'ordre, et deuxièmement le droit aussi. Parce que si on est toujours dans une logique préventive, bah du coup, quand vous arrivez, il y a plus cette possibilité, comme le permet notamment, je pense, la désobéissance civile est assez symptomatique à cet égard. C'est-à-dire, vous allez faire une action de désobéissance civile pour un moment avoir un procès et pouvoir rejouer la norme, et un moment pouvoir arriver potentiellement à avoir une jurisprudence, enfin, en tout cas à faire évoluer la norme et à modifier. On va venir en fin d'émission sur justement toute cette idée de désescalade vers cette escalade sur le maintien de l'ordre. Pour finir juste là-dessus, effectivement, là dans cette logique-là, si vous êtes dans la prévention, vous cassez cette dynamique-là, et donc voilà. Pour cette intervention, effectivement, on va revenir plus en détail là-dessus. Ce que vous dénoncez finalement tous les trois à votre façon, c'est aussi toutes les dérives que pourrait engendrer cette loi si elle passait, et vous êtes loin d'être les seuls, comme je l'évoquais plus tôt
dans l'émission, il y a de très nombreuses associations, plus d'une centaine de défense des droits de l'homme ou des libertés fondamentales qui se sont exprimées. On a des ONG, l'ONU, une grande partie des citoyens. Il y a des pétitions qui sont signées sur Internet. On a également des tribunes qui ont été signées, notamment dans Libération, je pense à la tribune des cinéastes et des professionnels de l'image. Donc voilà, cette loi, elle crée réellement la controverse, et pourtant le gouvernement, donc en tout cas Gérald Darmanin et certains députés de La République En Marche continuent de la défendre bec et ongles, et on voudrait écouter un petit peu leurs arguments. On vous a fait un petit best-of de ces arguments. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qui l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Je rappelle donc que si des journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma du maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégé également par les forces de l'ordre. L'article 24 n'empêche en rien les journalistes de travailler et il ne porte pas atteinte au droit d'informer des journalistes ou des citoyens. Il vise très clairement à sanctionner, par exemple, et le plus souvent, la mise en pâture de nos forces de l'ordre sur les réseaux sociaux lorsqu'une photo est diffusée, par exemple, avec un message d'appel aux représailles contre un agent, un policier ou un gendarme. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux que l'article 24 soit adopté. Il sera encore possible, demain, avec cette loi, de filmer les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, en opération de maintien de l'ordre par exemple, ou d'autres types d'opérations. Les images qu'on vient de voir à l'instant, elles seront toujours autorisées. Elles se feront encore demain comme elles se sont fait hier. Elles resteront dans le débat public. On y tient, il s'agit de la liberté de la presse. Oui, donc une petite musique qui n'a pas été rajoutée par nos soins sur la vidéo des violences policières, on le précise, ça faisait partie de la vidéo qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux de La République En Marche. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet argumentaire des défenseurs de la loi, Jean-Baptiste Souffron ? Non, mais écoutez, on a vraiment le sentiment que Gérald Darmanin fait son meilleur Sarkozy possible, mais on est un peu quand même face à une parodie, donc c'est dommage. Au moins, Nicolas Sarkozy avait une connaissance du terrain, si vous voulez, qui lui permettait, quand il faisait ce genre de choses, de le faire passer parfois avec un peu d'humour, même si c'était de l'humour noir. Là, on est vraiment dans le premier degré. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est des débats, en fait, qui ne sont pas nouveaux. Si vous voulez, on a le choix entre protéger les citoyens ou protéger le pouvoir. C'est toujours un petit peu la même chose. Et là-dessus, il y a un discours qui est très ancien, mais qui est fondateur pour la République française. Hein, et donc, n'importe quel homme politique républicain devrait au minimum s'en inspirer. C'est celui de Robespierre, le 14 juillet 1791. Où il explique que le roi est inviolable, mais que si le roi est inviolable, c'est par l'effet d'une fiction. Et qu'en réalité, c'est juste qu'on a décidé que le roi était inviolable. Mais en fait, il ne l'est pas. Mais il suffit de lever cette fiction et de décider qu'en fait, c'est le peuple qui est inviolable par les lois de la nature qui protègent le peuple dans une démocratie. En fait, là, c'est un petit peu ce que nous propose le gouvernement et c'est ça qui est très inquiétant. C'est que le souci qu'on va avoir, c'est qu'on va interdire de filmer. Mais qu'est-ce qui se passera la première fois où quelqu'un aura filmé une erreur, une faute d'un policier et où, par le jeu d'une fiction, cette personne sera alors coupable d'une infraction? Parce que imaginez que vous filmiez un policier qui se mette, comme on l'a vu, hein, à étouffer quelqu'un au bord d'une route, à malmener un manifestant de façon excessive, et puis vous diffusez votre vidéo en disant « voilà un policier qui mériterait d'être sanctionné ». Tout d'un coup, vous êtes coupable.
Et donc, en fait, ce que nous propose le gouvernement, c'est de mentir. Il veut protéger les policiers par le mensonge et la dissimulation. On est en 2020, c'est impossible. Je veux dire, c'est non seulement contraire à l'état naturel des choses, mais en plus de ça, je veux dire, c'est débile. C'est presque débile au sens, si vous voulez, psychologique du terme. C'est un raisonnement qui ne fait pas de sens. Vous voulez qu'on convainque toute une population qu'en fait, pour protéger les policiers, il faut mentir. Ça n'a aucun sens, d'autant plus en 2020, à un moment où ce qu'on demande aux gens, c'est d'être transparent, ou au moment où on n'a jamais eu autant de capacité d'enregistrer, de filmer, de diffuser, de rapporter, on n'a jamais eu autant de données, eh bien, en fait, on nous dit non, mais on va jeter un voile pudique sur tout ça. Ce voile, il est artificiel. Ça sera tout bonnement intenable. Au premier scandale, on ne saura pas comment se retourner. Et en réalité, on est face à un problème qui va devenir un problème démocratique de fond. Il y a d'autres solutions qui pourraient s'imaginer. On peut très... Moi, je n'ai pas de problème à imaginer que les policiers aient du mal à faire leur travail. Hein. C'est quelque chose qu'on entend très bien. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il y a des situations qui sont difficiles pour eux. Ils peuvent faire des erreurs. Il y a des policiers qui sont au bout du rouleau. Moi, sincèrement, un policier qui se met à taper sur quelqu'un parce que il est épuisé et que ça fait 3 semaines qu'il ne sait plus comment réagir, bon, bah, écoutez, il sera sanctionné. Mais c'est aussi normal dans une vie professionnelle de pouvoir être sanctionné de temps en temps. Et là, on veut organiser cette inviolabilité par le mensonge et la dissimulation. C'est pas possible. Je serais un homme politique qui proposerait ça, j'aurais honte, tout simplement. C'est juste ça. Imaginez qu'on vous propose la même chose dans d'autres situations. C'est impossible. J'ai proposé la même chose à l'envers pour qu'on ne puisse pas diffuser l'image du ministre de l'Intérieur, puisque ça pourrait porter atteinte à l'intégrité psychique et physique des Françaises et des Français. Donc on verra ce qu'ils en pensent. Que, quitte à être en absurdité, autant aller jusqu'au bout. Avant de passer à l'article 20, 21 et 22 aussi, qui concerne tout un autre pan de la loi, moi, je voulais simplement qu'on discute d'une chose, c'est que ce qui interpelle, je trouve, là-dessus, c'est qu'on a vraiment l'impression d'une proposition de loi qui vient, mettre de l'huile sur le feu et renforcer, en fait, un sentiment qui est déjà existant d'une défiance d'une partie de la population, d'une forme de déséquilibre, en fait. Et on le voit bien, par exemple, dans les dernières déclarations de Gérald Darmanin, qui dit que cette loi est faite pour protéger la police et qu'il y a ceux qui aiment la police, ceux qui n'aiment pas la police, et que lui, le ministère de l'Intérieur, aime la police. Et donc, on a l'impression qu'on essaie de créer, en fait, une sorte de polarité dans la population et de lever des camps les uns contre les autres. Donc, du coup, d'être vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une forme d'escalade, quoi. Yann, est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus rapidement avant qu'on parle pour les délais? Comme ça, je passerai la parole après à Hugo, parce que c'est une question qui m'a un peu interpellée. Alors, j'ai pas pu assister au débat qui s'est passé à l'Assemblée, mais j'ai lu des comptes rendus. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point les rapporteurs, souvent, pour balayer d'un revers de main des amendements, avaient cette formule qui était « Ah oui, mais ça a été demandé par la police, donc il faut que ça passe. » Alors même que, normalement, si j'ai bien compris comment tout ça fonctionnait, ce moment-là devait précisément être un moment où on interrogeait les garde-fous institutionnels et on interrogeait surtout les moments où, précisément, là, si la police, à un moment, est dans son tort, comment ça se passe, enfin voilà, de regarder un peu les limites, en fait, et de pouvoir cadrer ça. Et du coup, là, j'ai l'impression que les débats ont été totalement viciés là-dessus, même vidés, en fait, de leur sens. Ah bah, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a dit qu'elle n'avait jamais été, justement, consultée, la défenseur des droits non plus, etc. Il n'y a absolument pas eu de débat autour de cette proposition. C'est ça, et quand on regarde les personnes qui ont été auditionnées, je crois qu'à part Amnesty International, en fait, il n'y avait que des personnes qui étaient en faveur, qui étaient en faveur de la loi. En même temps, ça se prend dans des délais qui sont hyper courts, et de ce que j'ai compris, c'est même particulièrement rapide. Et du coup, ça ne peut que interpeller, surtout quand on reprend ce que Jean-Baptiste Souffron disait au tout début, qui était que les personnes qui promeuvent cette loi la présentent comme finalement quelque chose d'assez administratif et de bon, ça passe, et finalement on verra après, mais c'est pas si grave que ça. Du coup, à la fois, pourquoi cet empressement? Pourquoi, en fait, ce déficit démocratique même dans la manière dont les débats se passent? Enfin, comment on arrive à expliquer ça et surtout comment ça passe
Du coup, Hugo, comme ça vous fait une question directe. Bon, comment vous réagissez à cet argumentaire aussi qui a été mis en avant par qu'on a montré dans le magnéto? Lequel? C'est l'argumentaire de rapporteur? Oui, de Darmanin, tout ça, et de ce que disait Paloma, qui sont réellement... Il y a une façon aussi de mettre de l'huile sur le feu et... Mais c'est marrant, c'était la ligne centrale, le fil conducteur de mes 5 minutes de discussion générale dans l'hémicycle, d'expliquer que ce texte était un texte fait d'escalade et qu'il affaiblissait en réalité l'autorité des policiers et la confiance de la population dans la police et donc son autorité par voie de conséquence. Et que ces gens-là, c'est plutôt un texte contre la police à plus d'un titre, parce qu'en plus on leur prend des missions pour les donner à la police municipale ou aux agents de sécurité privée. Donc voilà, quand vous regardez bien les choses, c'est un texte contre la police et son autorité. Donc ça c'est la première chose. Je reviens pas sur tout ce qui a été dit par Maître Souffron qui vient botter en touche tous les arguments qu'on peut donner les deux rapporteurs dans leur vidéo, mais il y a un truc qui est important effectivement. Je vous ai parlé du terrorisme où ça fait partie des arguments d'autorité, et les autres arguments d'autorité c'est la police le demande, enfin, ou les organisations syndicales la police le demande, donc comme s'il fallait le faire. Souvent ils disent les services le demandent. Ça, c'est souvent le cas en matière de renseignement. Et en plus, vous n'avez aucun moyen de vérifier, parce que quand vous parlez de terrorisme, c'est du secret défense. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. De toute façon, les sachants, ils sont devant vous. Donc, vous n'êtes pas là pour contester. Et si vous avez le malheur de contester, vous êtes donc complice des terroristes. C'est l'argumentation, le sophisme, qui est utilisé par Darmanin contre Georges Pollangevin dans la question au gouvernement qu'elle a posée. Et en plus, il faut savoir que Georges Pollangevin, c'est pas Hugo Bernal ici, hein. C'est elle est cool, hein. Moi, je peux être un gros bourrin des fois dans l'hémicycle, y a pas de souci. Mais là, en plus, sa question était tout à fait cool, peace. Et l'autre, il s'est vénère en mode, en gros, vous êtes complice de l'attentat qu'il y a eu contre les deux personnels de police à Magnanville, notamment. Et il faut savoir que cette histoire de Magnanville, ça fait partie du délire où ils sont partis d'une histoire qui n'a rien à voir avec le fait de filmer les policiers et de diffuser leur image sur les réseaux sociaux. C'est complètement hors sujet. Ce qui s'est passé à Magnanville, c'est qu'il y en a un qui voulait s'attaquer à un policier pour revendiquer une attaque au nom d'un djihadiste, quoi. Et en fait, il est resté en planque à côté du commissariat. Il a essayé de repérer les gens qui rentraient et qui sortaient. Et il a suivi une dame en pensant que c'était une policière jusqu'à son domicile. Et Jessica Schneider, et il l'a agressé, et donc ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, on est hors sujet total, et personne n'a été filmé, et en fait, en plus, le pire dans cette histoire, c'est que le terroriste la suit elle, et la tue elle en premier, parce qu'il croit que c'est une policière, or, ce n'était pas une policière, c'était une fonctionnaire agent administratif comme moi, en fait, j'étais au ministère de l'Intérieur, et il a tué son conjoint, qui lui était véritablement policier, puisqu'il travaillait aussi au commissariat de police. Donc, vous voyez comment, sur la base d'un fait divers qui est perturbant pour tout le monde, tout le monde est choqué par ce genre de choses, il les a assassinés devant leur enfant de 6 ans. Le mec complètement dingue. On part de ça pour vous faire dire votez l'article 24. La rationalité, il n'y en a plus, c'est terminé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez de la rationalité là-dedans? Et évidemment qu'ils ont accéléré le calendrier parce que pour deux raisons. D'une, l'assassinat de Samuel Paty. C'est un moyen de réagir politiquement. Ils sont toujours dans le délire sarkozyste de un fait divers, une loi, pour montrer que j'agis, montrer que je fais quelque chose. Que voilà. Et puis pour eux, il y a un enjeu, c'est que on est en plein contexte sanitaire où la mise en cause du gouvernement est de plus en plus forte sur sa gestion sanitaire de la crise, etc. Et que ce serait bien qu'on parle d'autre chose. Voilà. C'est-à-dire, en gros, parlons de la sécurité, vieux remède, agitons les peurs, ça évite de parler d'autres sujets, c'est tout à fait anxiogène, ça fait vendre, et eux, ils ont un besoin profond, quand je dis eux, je parle du gouvernement d'Emmanuel Macron, leur stratégie, depuis plus d'un an et demi, définitivement, c'était un peu le cas au début, mais là c'est définitif, c'est de sanctuariser l'électorat de droite et de contester l'extrême droite. Sauf que moi, je le dis, je le dirai à Gérald Darmanin. On ne combat pas l'extrême droite en appliquant son programme. Merci pour cette réaction. On va passer donc à la troisième partie de cette émission sur justement toute une partie en fait de cette loi qui concerne donc la surveillance généralisée dont on parle moins parce que malheureusement on s'attache aussi beaucoup à cet article 24 alors que c'est tout aussi important ce qui se joue dans ces autres articles. Donc je le rappelle, ce sont les articles 20, 21 et 22 qui sont notamment jugés par la défenseur des droits comme attentoires aux libertés
fondamentale. Donc, on va tout de suite voir un extrait, la bande-annonce du documentaire « Tous surveillés, 7 milliards de suspects » qui a été diffusé sur Arte et qui est réalisé par Sylvain Louvet, qui va nous rejoindre juste après et qui a quelque chose d'assez prophétique par rapport à ce qui est en train de se passer justement en ce moment même. Donc, on lance le magnéto et ensuite, on en discute. Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Europe, les États-Unis et surtout la Chine se sont lancés dans une inquiétante course aux technologies de surveillance. Suivi, localisé, traqué. Plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Qu'est-ce que vous préférez ? Être en sécurité ou éviter d'être scanné par une intelligence artificielle ? Moi, je veux être en sécurité. C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque donc en fait, de cette idée, hein, qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde. Une obsession sécuritaire qui, dans certains pays, est en train de donner naissance à un régime d'un nouveau genre, le totalitarisme numérique. Ces violations des droits de l'homme impliquent clairement tout le monde, de Xi Jinping aux architectes de cet algorithme de la répression au Xinjiang. Jusqu'où ce désir de protection va-t-il nous conduire ? Selon vous, le gouvernement chinois a tué votre enfant ? Oui. Oui. Je hais la technologie. La technologie est une maladie. Quel niveau de surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer ? La révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète ? Habité par 7 milliards de suspects. Et rebonsoir tout le monde, c'est magique, Sylvain Louvet, donc la voix que vous venez d'entendre dans cette bande-annonce vient de nous rejoindre. Bonsoir Sylvain, bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, enfin très bien, si je puis dire, ça va. Oui. Avec le contexte, enfin voilà. En tout cas, tu as réussi à nous rejoindre, donc déjà c'est parfait. Simplement, donc avant de revenir sur ce documentaire et sur ce qui dénonçait il y a quelques mois, l'idée c'est vraiment de faire un peu un point sur ces articles 20, 21 et 22. Donc Yaël, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que contiennent ces articles et en quoi en fait ils sont problématiques aujourd'hui, à quoi est-ce qu'ils peuvent ouvrir la voie? Donc du coup il y a un premier article, si je ne me trompe pas c'est le 21 qui en fait permet, en gros aujourd'hui les forces de l'ordre peuvent avoir des caméras mobiles et peuvent emmener des caméras mobiles pour filmer leurs interventions. Et il se trouve que du coup aujourd'hui, et c'était une condition qui a été posée par la CNIL, et c'est-à-dire c'était une garantie qui permettait précisément de leur permettre d'avoir ces caméras mobiles, c'est qu'elles ne pouvaient pas en temps réel avoir accès aux informations qui étaient filmées et qu'en fait ça permettait juste si jamais il y avait besoin pour un cas spécifique après de revenir sur l'intervention, de pouvoir montrer. Regarder ces images. Et en fait, là, ce qui est proposé dans la loi, enfin dans la proposition de loi, pardon, le lapsus, c'est précisément que, en fait, de faire sauter cette garantie et de pouvoir permettre au centre
de pouvoir en fait récupérer les données et les images en direct et pouvoir les traiter de manière instantanée, ce qui permet aussi, à contrario, de pouvoir notamment reconnaître, par exemple, les personnes qui, les manifestants, si on est dans un cas de manifestation, et voilà, de pouvoir agir aussi en conséquence. Donc ça, c'est le premier. Et après, il y a aussi tout un passage sur la légalisation, puisqu'aujourd'hui, ça a été interdit par le Conseil d'État, de la surveillance par drone. Et donc, Pendant le confinement, l'utilisation des drones a été interdite. Oui, a été interdite suite d'ailleurs à une action de la Ligue des droits de l'homme et de la Quadrature du Net. Et donc là, ça serait donc légitimé et d'ailleurs étendu, puisqu'il n'est plus seulement autorisé pour des cas de vérifier que le confinement se passe bien, mais il y a une liste très longue, donc bien sûr pour prévenir des attaques terroristes, mais aussi pour surveiller des bâtiments publics. Enfin bon, la liste est assez longue, on va dire, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le manifestement, panimanifestement. En fait, là, vous pouvez avoir vos drones grosso modo en toute impunité partout, puisque pour savoir derrière le pourquoi ils sont là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, surtout qu'on pourra toujours vous rétorquer que secret défense, on n'a pas à expliquer le but de leur déploiement. Justement, là-dessus, les termes de la loi sont assez flous, puisque selon justement cet article 22, le public devrait être informé de la captation des images par drone, à une exception près, c'est lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Donc, on est encore une fois, sur l'article 24, sur une formulation très floue qui laisse libre cours à beaucoup d'interprétations. Et surtout que ça fait sauter cette notion de déployer des outils qui sont proportionnels à ce qui est en train de se passer, quoi. Donc là, typiquement, les drones, il faut quand même rappeler qu'à l'origine, c'est un équipement qui est militaire. Donc on est vraiment dans un cas de militarisation de l'espace public. Et en plus, ça pose plein de questions, mais en plus, ça change aussi le rapport. Par exemple, si c'est pour couvrir une manifestation, vous n'allez bien évidemment pas avoir les mêmes informations et même le même traitement de la manifestation si vous avez des drones qui vous permettent de voir les manifestants plus sous forme de flux que sur le terrain. Enfin, ça modifie aussi. Et puis, on revient tout à fait sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur des questions d'intimidation. Et peut-être juste pour prendre un seul chiffre, c'est une étude qui a été faite l'année dernière ou il y a 2 ans à Londres, qui a montré que 38% des personnes de 16 à 24 ans, donc là c'était ciblé sur les jeunes, déclarent ne pas participer à une manifestation s'ils savaient qu'il y avait des technologies de reconnaissance faciale qui allaient être utilisées. Donc là, on est sur une population jeune, en plus on est sur du déclaratif, on imagine bien que en fait dans les faits, comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça plus tout le reste, ça devient très liberticide et bien sûr intimidant. Et oui, justement cette question de la reconnaissance faciale, c'est ce que craignent en tout cas une partie des associations qui dénoncent les problématiques qui peuvent être liées à ces articles-là. Et ça tombe bien parce que vous, Sylvain Louvet, vous avez travaillé sur cette question, notamment dans le documentaire dont on vient de voir, la bande-annonce. Mais alors vous l'avez plutôt étudié dans d'autres pays comme la Chine ou Israël. Comment vous vous sentez par rapport à cette loi? Comment vous l'avez appris? Et puis qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le sentiment, je vous écoutais avec attention tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'on a franchi un cap, clairement, c'est-à-dire qu'en fait, on bascule progressivement, et c'est ce que j'avais essayé de montrer dans mon film, on bascule dans une société d'ultra-surveillance, et j'ai l'impression que la réalité ressemble de plus en plus aux films de science-fiction des années 90, c'est-à-dire que, en fait, aux motifs qui sont souvent louables, c'est-à-dire de se prémunir, par exemple, en ce qui concerne les policiers, d'une quelconque agression, se prémunir du terrorisme, se prémunir d'une pandémie, en fait, les États ont recours petit à petit à développer des technologies toujours plus intrusives, toujours plus liberticides. Et la reconnaissance faciale en est, pour moi, l'exemple concret. Et ce qui est en train de se passer, je vous écoutais sur justement tout le paradoxe législatif qu'il y a et que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire que finalement, on voudrait aujourd'hui protéger l'anonymat des forces de l'ordre. Et de l'autre, on demanderait en fait à tout un chacun de se justifier de son identité en permanence.
Et il faudrait qu'on accepte en fait d'être surveillé tout le temps. Et effectivement, moi, quand j'ai enquêté, j'ai commencé mon enquête il y a 3 ans. Je vous avoue que on était vraiment aux prémices des expérimentations en France autour de la reconnaissance faciale, des micros notamment qui alerteraient en cas de bruit suspect, par exemple à Saint-Etienne, etc. Il y avait vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Mais quand la pandémie est arrivée, je pense que en fait ça a fait sauter toutes les projections que j'avais pu imaginer aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, et je suis pas technophobe, c'est-à-dire que vraiment je pense que la technologie peut être parfois l'allié des démocraties, pas forcément l'allié des dictatures, mais je pense effectivement que on a franchi un cap encore, et cette proposition de loi en est l'exemple concret de l'utilisation des technologies à des fins de restriction des libertés individuelles. Voilà. Et pour revenir à votre question, la reconnaissance faciale, c'est un peu, moi j'ai tourné au moment de l'expérience à Nice, donc avec Christian Estrosi, donc l'expérience qui a été faite un petit peu en catimini, on peut dire, puisqu'on a été prévenu que seulement quelques jours avant, et c'est souvent comme ça en matière de technologie de surveillance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quel moment il y a des expérimentations. Et effectivement, on s'aperçoit là que petit à petit, on est en train de glisser, c'est-à-dire qu'on est en train de faire accepter l'idée que voilà, on pourrait utiliser des drones. Peut-être que ces drones un jour pourraient embarquer avec eux un logiciel de reconnaissance faciale. Et en fait, petit à petit, on s'habitue finalement à tout ça pour, je ne sais pas, peut-être parce qu'on a effectivement, on est un peu otage de nos peurs, et on s'habitue à ça. Et finalement, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas vraiment les enjeux qu'il y a derrière. Et voilà, et c'est pour ça que je vous remercie d'organiser aussi ce live parce que c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, en fait, on a Hugo Bernalicis qui va devoir reprendre les débats à l'Assemblée à 21h et qui a envie de souffler un peu. Alors Hugo, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à justement ce que vient d'expliquer Sylvain et ses réactions et avant de repartir en débat? Oui, juste pour préciser, c'est que là, la proposition, elle est d'envergure. C'est-à-dire que d'habitude, ils essayent de faire étape par étape. Ils nous mettent les drones, et puis une autre fois, ils nous mettent les caméras piétons, puis une autre fois, ils nous mettent... Là, on a l'offensive la plus large de ce que je vois depuis le début de la mandature, mais je pense c'est la plus large jamais débattue à l'Assemblée nationale sur la question de filmer, puisque vous avez en fait la question des drones, utilisables dans n'importe quelle circonstance, parce qu'à partir du moment où vous mettez en cas de menace terroriste et que vous expliquez que la menace est permanente et que ça peut être n'importe qui, n'importe où, n'importe où, n'importe comment, bon, à partir de là, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, il y a les caméras piétons sur les policiers. Ils vont pouvoir transmettre les images en direct sur un centre de commandement. Ensuite, il y a des articles pour prévoir d'avoir accès aux caméras de vidéosurveillance des villes, en temps réel aussi, sur un centre de commandement. Ils ont prévu aussi de pouvoir avoir accès à des réseaux de caméras, RATP, SNCF. Ils ont prévu aussi de pouvoir coopérer avec un certain nombre d'opérateurs éventuellement privés. Donc, on est vraiment en plus dans le fait de faire de la captation de masse et de la centralisation de masse. Et ils ne se cachent absolument pas dans leur argumentation de dire que c'est dans la perspective des JO de 2024, puisque c'est un secteur aussi économique qui est en pleine expansion. Si à ça je vous ajoute un tout petit article qui est dans un coin, qui explique qu'on va déroger aux règles de la fonction publique pour faire en sorte que les personnes fonctionnaires qui sont à la retraite pourront cumuler en plus de leur pension un salaire s'ils travaillent dans la sécurité privée sans que ce soit plafonné, puisque jusqu'à présent c'est plafonné. Donc cette petite dérogation qui est mise en œuvre, à quoi elle sert? Elle sert à des gens comme Jean-Michel Fauvergue, qui est rapporteur, à faire ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire ouvrir une société. Il vient d'ouvrir une société anonyme à son nom pour pouvoir faire des conférences sur la question de sécurité. Et voilà comment tout se tient entre un lobby, un enjeu financier, une volonté politique qui permet de dominer une population par la peur et de la détourner des enjeux sociaux, des enjeux démocratiques, des enjeux populaires qui devraient concerner toutes les citoyennes et les citoyens. Mais je suis pas sûr que ça marche à la fin. Peut-être dans l'intervalle à court terme ça fonctionne, mais le peuple français il a jamais trop aimé quand on va trop loin, quand on est trop intrusif. Il suffit de voir comment l'application Stop Covid ou son nouveau nom, Tous Anti-Covid, je sais pas quoi là, comment c'est un fiasco du point de vue du nombre d'utilisateurs.
Je crois que l'exécutif, le gouvernement ne mesure pas encore la réaction qu'il peut y avoir, peut-être encore plus épidermique que sur des sujets qui nous sembleraient plus importants. En tout cas, on va mener la bataille et s'opposer à tous ces articles un par un et jusqu'à épuisement. Bah, écoutez, merci beaucoup Hugo Bernalicis d'être intervenu dans notre émission et puis on vous souhaite bon courage pour la suite de votre travail à l'Assemblée nationale ce soir. Voilà, bonne soirée à vous. Merci encore pour l'invitation et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je voudrais m'adresser à vous, Jean-Baptiste Souffron. Beaucoup d'associations ont dénoncé depuis plusieurs années, et pas seulement dans le contexte de cette proposition de loi, une judiciarisation du maintien de l'ordre. Et maintenant, il y a même des opposants à cette loi qui parlent carrément de dérive autoritaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Effectivement, on a une dérive qui est marquée, mais comme je le disais, je suis pas sûr que le sujet soit autorité ou pas autorité. Le sujet, c'est de savoir qui on veut protéger. Et à partir du moment où ce qu'on veut protéger, en fait, c'est les forces de l'ordre et pas le public, on voit bien qu'on a un point de bascule qui est un peu particulier. Mais vous savez, en fait, on est surtout dans une vision de libéralisation, en fait, des forces de l'ordre et de destruction du service public de la justice et du maintien de la paix. Parce que c'est ce que disait Hugo Bernalicis qui est parti, mais il n'y a pas que l'article 24, il n'y a pas que l'article 20, vous avez aussi les articles 1, 2, 3 qui étendent aux forces municipales des fonctions qui sont celles de la police judiciaire sans contrôle de l'autorité judiciaire, donc sans contrôle d'un juge comme ce serait normalement le cas. Vous avez l'article 8 qui permet carrément de privatiser les forces de police. Là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement gênant. Et puis, vous avez, enfin, si vous voulez, dans les articles 20, 21, 22, bien sûr, il y a la question de l'intelligence artificielle, etc. Mais moi, je vois un problème beaucoup plus direct, c'est que concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez des policiers qui vont aller voir les vidéos avant d'être mis en cause. Je prends l'exemple d'un policier qui a fait une bavure. Il s'est trompé, il a fait une bavure, il y a un problème. Résultat, il va vite voir les vidéos ou il fait regarder les vidéos par un de ses collègues. Puis ensuite, il se rend compte exactement de ce qui s'est passé, de ce qui a été enregistré et il modifie son témoignage en fonction de ça, sachant qu'en parallèle, grâce à l'article 24, personne d'autre n'a le droit de le filmer. Et c'est là, en fait, que vous avez ce souci. C'est pas tellement la dérive, elle est pas autoritaire, c'est peut-être pas le bon mot, si vous voulez. Mais vous avez une volonté d'élargir les compétences des forces de police et d'élargir ces compétences même à d'autres types de personnes qui sont pas formées pour ça, qui sont pas structurées pour ça, qui sont pas encadrées pour ça et pour lesquelles on n'a pas de moyens de protection, on n'a pas de contre-pouvoir qui soit correct aujourd'hui pour s'en dépêtrer. Le résultat, une fois, c'est qu'on est dans un texte qui propose à tout le monde de mentir. On va créer une espèce de fiction que la police en réalité ne commet jamais d'erreur et qu'on n'a pas besoin de la contrôler, et surtout que les citoyens ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des scandales, vous allez avoir des erreurs, vous allez avoir des malversations qui seront ouvertes grâce à ce texte et qui vont briser la confiance qui pourrait exister entre les citoyens et leurs forces de police. Or, justement, le problème, c'est de restaurer cette confiance le plus possible. C'est de faire en sorte que les gens, en fait, ils aiment leur police, ils soient contents de la manière dont elle fonctionne. Et on ne voit pas du tout comment ce texte qui demande juste aux gens de faire comme si la police était parfaite et qu'elle ne commettait jamais d'erreur. Et si jamais elle en commettait, surtout, de ne jamais faire semblant que la police est inviolable. Écoutez, aujourd'hui, c'est très difficile de faire semblant. C'est un texte, en ce sens, qui est extrêmement pervers. Hein. Il faut bien voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il... On commence à avoir un petit peu l'habitude, mais on est face à un texte qui est dénoncé par tout le monde comme étant inapplicable, inintéressant, faisant doublon avec des choses, sans utilité réelle, ainsi de suite. Et à la fin, on veut l'imposer malgré tout. Cette imposition, c'est aussi une volonté de remettre chacun à sa place, ou plutôt à la place qu'on souhaite leur donner. Les forces de l'ordre, la police, le pouvoir doit être inviolable, respecté, c'est même une espèce de hiérarchie. Et le reste des gens doit... servir le paillasson et accepter les choses comme elles sont. Seulement voilà, on est en 2020 et ça va être très 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 difficile de laisser passer ça. Je vois pas du tout comment c'est possible.
Vous savez, les technologies d'intelligence artificielle qui permettent d'identifier les gens. C'est très sympa tout ça, mais je veux bien qu'on floute les visages. Mais vous avez déjà des logiciels qui permettent d'identifier quelqu'un à partir de sa démarche ou de la manière dont il bouge quand il est dans une vidéo. Donc, réidentifier les policiers, si c'était nécessaire, tout le monde saura le faire. Les technologies de drones, etc. Certes, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire passer des drones dans Paris, mais si les policiers se mettent à utiliser des drones, qui va être capable de dire que le drone qui est là, c'est un drone civil ou un drone policier ? Les technologies dont on parle, elles vont se retourner dans les deux sens. Le problème, c'est que comme on instaure un mensonge officiel, ce mensonge ne tiendra jamais. Donc, on est sur un texte qui marche sur la tête. Ou alors, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Alors là, on est dans une espèce de fiction qui veut qu'on est dans un pays où les gens, bien sûr, vont être d'accord avec le fait que l'autorité est inaltérable, qu'elle ne commet jamais d'erreur. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. On n'est pas, j'ai pas envie de citer des pays particuliers, mais on n'est pas dans cette situation. Il est bien évident que on passe notre temps à critiquer l'État, on passe notre temps à critiquer les politiques, on passe notre temps à contester le pouvoir et ceux qui en sont les instruments. Je ne vois pas dans quel monde le gouvernement actuel vit qui pense que tout d'un coup on va arrêter et qu'on va se mettre à cesser. C'est délirant, ça n'a aucun sens. Bien évidemment, ça n'ira pas loin. Mon inquiétude à moi, c'est qu'au-delà d'une dérive autoritaire, en fait, on est dans un texte pervers. Et je crois qu'on peut utiliser ce genre de terme. On peut parler à certains moments de dérive aussi psychologique des textes. Il y a une psychologie de gouvernement. On est sur quelque chose de manipulateur qui vise à demander aux gens d'être d'accord avec une fiction, alors que tout ce que demandent les gens aujourd'hui, c'est de la transparence. Ça n'a aucun sens. Oui, alors c'est ce que disait Hugo Bernalicis tout à l'heure et qui a été dénoncé par pas mal de personnes qui sont contre ce texte et notamment Patrice Spinozzi, avocat qui était invité de la matinale de France Inter cette semaine, qui parlait du fait que justement ce texte a été donné un peu l'impression que le gouvernement ou du moins les rapporteurs voulaient donner l'impression d'agir. Sans finalement en fait changer grand chose et donc qui avec un peu un aspect écran de fumée. Moi, l'une des questions que je me pose en vous écoutant et notamment en ayant vu le documentaire de Sylvain, c'est est-ce que d'une certaine manière, on parlait tout à l'heure de judiciarisation du maintien de l'ordre, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Est-ce que on n'a pas déjà beaucoup rogné une partie de notre liberté au profit de la sécurité ? On le voit aussi avec le confinement qui nous met dans un état d'esprit particulier d'acceptation en fait d'érosion de nos libertés. Sylvain, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Ben, moi, j'ai envie de voir les choses positivement, c'est-à-dire que je pense qu'on peut quand même toujours un peu résister à cette évolution. C'est effectivement, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, la pandémie fait qu'on bascule dans une peur quotidienne, une menace qui est invisible, et on se retrouve effectivement nous-mêmes à demander parfois plus de protection. Donc, Ce qui est extrêmement difficile, c'est de résister face à ses propres peurs. Et je pense que, je vais prendre l'exemple par exemple de la mairie de San Francisco qui a effectivement banni la reconnaissance faciale de ses rues. Je pense que c'est l'exemple même que l'on peut résister. C'est-à-dire que si à un moment donné, on se donne les moyens et on prend la décision parce qu'il y a une volonté politique derrière et un message qu'on veut envoyer, en fait, derrière, ça fait boule de neige. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le conseil de surveillance de la ville de San Francisco a décidé d'interdire la reconnaissance faciale et la bannière de ses rues, eh bien, il y a plusieurs États qui ont embrayé le pas. Donc, je pense que, en fait, il faut avoir conscience qu'on a tous un rôle à jouer et que finalement, résister à nos peurs, c'est se prémunir aussi d'une société d'ultra-surveillance, quoi. Alors, justement, rapidement, en termes de solutions, vous en parlez aussi un peu dans votre documentaire. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui, pour vous, fait figure de modèle dans la capacité, en fait, à résister à ça? Parce qu'on peut se poser la question de cette proposition de loi. Quelle aurait été l'alternative intelligente? Moi, je trouve que ça aurait été intéressant déjà de donner un tout petit peu plus, peut-être, de moyens aux associations de défense des libertés individuelles. Je connais la quadrature depuis un moment. La Ligue des droits de l'homme, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression que souvent, ils se battent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et que ces moyens-là ne sont pas suffisants. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'en France, on essaye que les citoyens aussi essayent d'adhérer plus facilement et plus largement à ces associations. Parce qu'encore une fois, la résistance, je doute qu'elle passe réellement par
les politiques. Je pense qu'il peut y avoir une résistance politique, mais je pense que, encore une fois, je crois beaucoup à la résistance citoyenne. Et je pense que la résistance citoyenne fait que derrière, on met une pression sur le politique. Et d'ailleurs, à San Francisco, c'est ce qui s'est produit. Quand effectivement, on a parlé d'imposer la reconnaissance faciale à San Francisco, il y a eu une résistance citoyenne et le conseil de surveillance a décidé d'agir. Donc, je crois beaucoup à ça, moi, personnellement. Yaël, vous êtes d'accord, vous, avec cette idée de résistance citoyenne? Est-ce que, selon vous, on peut aujourd'hui résister encore, notamment à cette proposition de loi, et puis comment? Alors là, pour le coup, je rejoins totalement ce qu'a dit Sylvain, et d'ailleurs, c'est pas que pour la reconnaissance faciale, mais en général, pour tous les grands projets technologiques, il y a que des mobilisations citoyennes qui, à un moment, ont obligé déjà de mettre ces questions-là à l'agenda politique et de commencer à les traiter à quelques échelons que ce soit, donc que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc ça, pour le coup, je rejoins totalement. Et d'ailleurs, il n'y a pas que San Francisco, hein, il y a aussi un autre exemple qui, je pense, est bon à regarder, c'est la ville de Portland qui, on en a parlé tout à l'heure, mais aux grandes manifestations qu'il y a eu aux États-Unis contre les violences policières et surtout le racisme latent de ces organisations, qui a déclaré non seulement d'interdire la reconnaissance faciale à des fins policières et judiciaires, enfin de surveillance, mais aussi à des fins commerciales. Donc là, c'est une interdiction beaucoup plus large. Et donc, bien évidemment, ces choses-là sont intéressantes. Peut-être qu'il y a juste un point que je voulais aussi préciser et dont on n'a pas forcément parlé, c'est sur quand même la relative efficacité de ces outils, parce qu'aujourd'hui, on les déploie et il y a un peu ce mythe que c'est bon, vous allez mettre une caméra, ça va régler tous les problèmes d'insécurité du monde. En fait, je pense que peut-être que Sylvain, je crois qu'il en parle bien dans son documentaire, mais ces dispositifs, en tout cas en termes de délinquance, de petite délinquance et aussi de terrorisme, sont quasiment inefficaces. Et je crois que si on regarde les chiffres, ils permettent de résoudre 1 à 2% des actions menées et des enquêtes de police. Donc c'est vraiment minime. Et donc en fait là il y a quand même, et ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, qui est une volonté de faire passer en fait tout cet arsenal sécuritaire en évitant de se poser les bonnes questions, je veux dire les vraies questions qui sont beaucoup plus profondes. Et comme en fait le disait aussi Sylvain tout à l'heure, faut regarder, je crois que l'exemple de Nice a été cité, faut regarder aujourd'hui comment se prennent sur le terrain ces choix technologiques. C'est-à-dire que vous avez en fait le gouvernement qui incite à faire ces expérimentations parce que sinon on va être en retard. Donc là, on est vraiment dans un discours idéologique qui font passer, alors même que vous avez des instances comme la CNIL qui s'opposent contre, que vous avez les tribunaux de grande instance, notamment à Marseille, qui s'y opposent, et vous avez à côté la BPI qui donne des financements sur les 3 prochaines années à la ville de Nice pour qu'elle fasse ses déploiements, et du coup et en fait ça se passe comme ça, et effectivement totalement sans même aujourd'hui vraiment garde-fou qui puisse institutionnel en tout cas qui s'oppose. Donc encore une fois là, c'est vraiment seulement les citoyens qui à un moment donné peuvent rendre ça visible, et aussi là les journalistes ont un grand rôle hein, de rendre visible toutes ces dynamiques-là pour en faire un débat public plus large. Et j'ai oublié un dernier point peut-être, c'est que là on parle de cette proposition de loi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, c'était il y a 3 jours, il y a quand même le livre blanc du ministère de l'Intérieur qui est sorti, et en fait qui montre que sur la feuille de route du gouvernement n'est que la légitimation et le renforcement de ce type de proposition de loi, quoi. Donc, c'est-à-dire, voilà, faut rester méfiant sur le fait que, quel que soit l'avenir de cette proposition de loi, on n'est pas au bout de nos surprises, quoi. Justement, en parlant de l'avenir de cette proposition de loi, tout à l'heure, Jean-Baptiste Souffron, vous sembliez ne pas vraiment croire à ce que cette loi puisse réellement passer. Alors, si jamais elle était votée à l'Assemblée nationale, quelle est la suite? Quels sont les moyens qui pourraient permettre de faire en sorte que cette loi, finalement, ne rentre jamais en vigueur?
Non, mais d'abord, on a le reste du processus législatif. Hein. Donc, Hugo Bernalicis l'a dit, il y a beaucoup d'amendements qui sont en cours d'étude. Il est évident que la loi va faire face à une obstruction parlementaire qui, en plus, a l'air de venir de la droite comme de la gauche. Hein, donc, non. Et puis, derrière, vous allez avoir le Conseil constitutionnel, de toute manière, qui, on l'a déjà vu, hein, dans la loi Avia prévoyait tout un tas de choses. On a été nombreux à expliquer que cette loi était mal faite, mal rédigée, pas concrète, pas applicable, qu'elle n'allait pas dans le bon sens. Ben, finalement, elle a été totalement vidée de sa substance. Puis, au-delà du Conseil constitutionnel, il y a de toute façon l'application. Vous avez, certes, un texte de loi. Moi j'appelle... Encore une fois, j'ai du mal à appeler ce texte un texte de loi. Hein. Pour moi, c'est vaguement une tribune de com', mais pas plus que ça. Et vous allez avoir derrière, dans l'application, des grands principes qui vont intervenir. Le droit au respect de la vie privée, d'une part. Par exemple, pour ce qui concerne les vidéos qui vont s'appliquer, vous avez le respect du contradictoire. Comment se fait-il qu'un policier soit capable de voir une vidéo alors que la personne qui l'accuse n'est pas capable de le voir. Vous allez avoir tout un tas d'autres grands principes qui vont immédiatement se mettre en marche. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie et les contre-pouvoirs, c'est pas seulement un truc, un moment, un instant. C'est tout un ensemble de choses qu'on voit pas forcément tout de suite, mais qui petit à petit vont se mettre en marche et fonctionner. Vous allez avoir toutes les associations, tout le tissu associatif qui va commencer immédiatement désosser le texte de la meilleure manière qu'ils pourront y arriver. Le barreau de Paris, donc l'ensemble des avocats, a déjà émis des réserves sur le texte en expliquant qu'il était inapplicable et dangereux. Il est évident que chaque avocat partout en France saura parfaitement, essaiera du mieux qu'il peut de, là aussi, le contrer et de revenir aux grands principes qui font de la République. Et puis, vous allez avoir des recours qui peuvent encore avoir lieu devant la CEDH, etc. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, je pense pas que cette loi ait un impact concret important dans le futur. C'est pas ça. Mais ce qu'elle va avoir, c'est qu'elle va changer des petites choses. Des petites choses qui sont graves pour les gens qui vont les subir. Je reprends l'exemple que je vous disais. Certes, l'article 24, celui qui permet d'interdire de filmer les forces de l'ordre quand on manifeste une intention nuisible à leur égard. Certes, cet article a peu de chances d'être réellement appliqué, d'être réellement applicable, on n'arrivera jamais à décrire l'intention, etc. Sauf qu'en attendant, il permettra toujours à un policier, à un officier de police, aux forces de l'ordre, de mettre un journaliste en garde à vue pendant 24 ou 48 heures, de mettre un manifestant en garde à vue pendant 24 ou 48 heures, de saisir son matériel, et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est déjà suffisant, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Il ne faut pas y voir une grande transformation sociale. Je pense que la République française, la France, elle est plus solide que ça. On a des centaines d'années d'histoire qui ont manifesté la capacité et la volonté du peuple français à lutter contre toutes les formes de dérives. Je suis tout à fait confiant là-dessus. Mais au jour le jour, au quotidien, c'est quelque chose qui va provoquer des drames. Et ces drames, ça sera des drames qui seront personnels, mais qui n'en seront pas moins douloureux et difficiles pour ceux qui vont les subir. Vous allez avoir comme ça tout un tas de situations qui seront horribles et qui risquent, elles, de provoquer ensuite derrière des phénomènes d'autocensure et ainsi de suite. Et pour moi, c'est ça le plus dramatique. Et puis, vous avez toujours cette espèce de fascination pour la technologie, pour l'envie, pour l'espoir que peut-être on va avoir un changement systémique à ça, que les gouvernants qui proposent ce texte espèrent changer la société française grâce à ce genre de propositions. J'en suis certain, mais moi, je pense pas que ce soit réellement possible. En revanche, ils vont faire des dégâts en essayant d'y arriver, même s'ils n'y arrivent pas. Alors, je vois dans les commentaires du live que certaines personnes disent qu'on parlait au passé. Alors, évidemment, hein, cette loi n'est pas encore adoptée et nous ne sommes pas défaitistes. Et justement, Sylvain, vous vouliez réagir sur toute cette question de lobbying citoyen. Et juste pour information, pour les personnes qui auraient un petit peu faim, qui auraient une partie, restez encore un peu, parce qu'on va vous faire un petit topo ensuite sur les différents moyens que vous pouvez avoir aujourd'hui de vous mobiliser à votre échelle. Sylvain. Oui, en fait, je voulais réagir plutôt par rapport à ce que disait Jean-Baptiste à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, probablement, cette loi ne va pas changer la face du monde, et effectivement, il parlait tout à l'heure de petits pas. Néanmoins, ça va ouvrir un grand marché aussi.
Il faut quand même avoir conscience que les changements, ils passent aussi par là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui à la manœuvre derrière des grandes entreprises qui effectivement attendent ce verrou législatif, qui attendent le fait qu'il saute. Et je pense que c'est une question aussi qui est hyper importante parce que quand on voit par exemple que l'essentiel du marché de la sécurité est financé en grande partie par des, donc évidemment par des fonds privés, mais aussi en grande partie par des financements publics. C'est ce qu'on racontait dans le documentaire. Aujourd'hui, Commission européenne, vous avez près de 40% des fonds qui sont aujourd'hui alloués, donc qui sont des fonds en matière de recherche sur le marché de la sécurité, qui sont alloués à des entreprises privées. C'est quand même un élément hyper important, quoi. C'est-à-dire que on va effectivement petit à petit, on a des petites avancées législatives, mais des grands marchés qui s'ouvrent. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Si je peux rajouter un point, je suis tout à fait d'accord parce que encore une fois, je le répète, les articles les plus importants, c'est peut-être pas l'article 24. Hein, il faut faire attention à ça aussi. Je voyais tout à l'heure. Valerio Mota, qui est un communicant impliqué dans les actions citoyennes sur Twitter, qui disait attention à ce que ça ne soit pas un faux nez. Moi, les articles 1, 2, 3 qui étendent les pouvoirs de police aux forces de police municipales ou l'article 8 qui permet de privatiser les forces de l'ordre, là, j'y vois des changements qui sont peut-être plus systémiques, qui sont plus dans le sens du temps, pour le coup, dans une forme de non-libéralisation et de destruction du service public, de la justice et du maintien de la force publique. Et là, on est sur quelque chose qui est peut-être plus grave et sur lequel on aura beaucoup plus de difficultés de contrôle. Mais c'est vrai que c'est un peu moins, ça brille un peu moins, ça a l'air un peu moins évident, mais c'est des choses qui sont très fortes. Et vous savez, quand vous allez avoir tout d'un coup tous les officiers de police municipale qui vont débarquer avec les pouvoirs d'officiers de police judiciaire, sans en avoir la formation et sans être contrôlés de la même façon, ça peut vraiment créer quelque chose qui est dangereux. Et là, on en parle pour l'instant, ça, on n'en parle pas assez. Et je crois que sur ces sujets-là, on est vraiment face à une difficulté. Et peut-être juste pour illustrer ça par un chiffre, c'est vrai que ce qui nous attend, c'est quand même une massification de tous ces équipements de surveillance et les anticipations d'usage montrent que pour la première année du déploiement de la 5G, ce qui est attendu, c'est que 70% des équipements qui vont être liés au réseau vont être précisément des caméras de vidéosurveillance et que ce sera le plus gros marché, donc comme le disait Sylvain Louvet, dans les cinq prochaines années. Donc, c'est à ne pas négliger non plus. Voilà. C'est pour ça que les petits pas ont des conséquences matérielles derrière. Et une fois que les infrastructures sont là, c'est toujours plus compliqué de les enlever après quoi, et de les régulariser ensuite. Et effectivement, en parlant de petits pas, on peut chacun aussi avoir un impact à notre échelle et on peut agir. Donc pour ça, déjà, j'aimerais dire qu'il est important d'en parler. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Il est vraiment important que les citoyens soient informés de ce qui est vraiment en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer, de cette loi qui sera peut-être votée. Donc pour ça, il faut évidemment partager le plus d'informations possibles à ce sujet qui sont disponibles dans de nombreux médias, dont le nôtre aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres modes d'action qui sont possibles, notamment celui d'appeler vos députés. Alors, ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais le fait de prendre vraiment votre téléphone, de trouver le numéro de téléphone de votre député et de lui expliquer vos inquiétudes par rapport à cette loi, s'il y a vraiment des centaines d'appels, ça peut réellement changer quelque chose. Rappelons-le, aujourd'hui, ce qui fait que cette loi pourrait passer, c'est le fait qu'il y ait la majorité qui à l'Assemblée nationale qui vote cette loi. S'il y a des députés qui commencent à se désolidariser ou qui tout simplement ne viennent pas le jour du vote de la loi, eh bien ça peut faire en sorte qu'elle ne passe pas. Il y a aussi d'autres modes d'action. Paloma, je te laisse peut-être en parler un petit peu plus. Oui, alors en fait, pour les personnes qui ne seraient pas forcément assez motivées pour appeler vos députés, vous avez aussi en fait la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme qui ont fait des mails pré-rédigés que vous pouvez modifier comme vous voulez, mais au moins ça vous fait gagner du temps, que vous pouvez envoyer aux députés de votre circonscription ou même à plus de députés si vous le souhaitez. Il y a Hugo Bernalicis l'a évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de rassemblements qui vont avoir lieu samedi un peu partout
partout en France et notamment à Paris à 14h30 sur le parvis des droits de l'homme. Donc, vous pouvez prendre part aussi à ces rassemblements-là. Et encore une fois, on le dira jamais assez, le pouvoir de l'information est essentiel. C'est pour ça qu'on a fait cette émission. Et on vous a mis normalement au fur et à mesure de ce live un certain nombre de contenus pour aller plus loin. N'hésitez pas voilà, à partager des émissions qui vous parlent aux personnes autour de vous qui n'auraient pas du tout entendu parler de cette loi ou ne se sentiraient pas concernées, parce que nous sommes toutes et tous concernés. Ce sont des questions démocratiques qui se posent. Et notamment, il y a un certain nombre aussi de comptes sur Instagram qui suivent l'évolution de cette loi. Il y a notamment le compte Stop Sécurité Globale, donc vous pouvez aussi allez le suivre. Et puis, n'hésitez pas, en fait, l'idée, c'est que ces informations se partagent. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les chats sur YouTube, Twitch, Facebook, vous, vos moyens d'action pour qu'on puisse les centraliser et justement faire peser aussi la voix citoyenne et faire en sorte qu'il y ait un réel débat public sur cette question qui nous concerne toutes et tous. Est-ce que parmi les invités, vous auriez justement d'autres recommandations à faire ou un mot de conclusion par rapport à cette émission spéciale? On va faire un tour, si ça peut être avec une note d'espoir, c'est toujours mieux, ou de mobilisation. On va commencer avec vous, Yael. Du coup, peut-être vous avez déjà cité la Quadrature du Net, mais c'est vrai qu'ils font un super boulot, et notamment ils ont un chantier qui s'appelle Technopolis, qui permet de pouvoir documenter en fait tous les dispositifs de surveillance que vous pouvez constater, enfin, voilà, qui s'installent dans vos régions ou dans votre municipalité, et ça tout le monde peut y participer, et je pense que c'est des choses qui sont très précieuses. Et peut-être oui, sur une note d'espoir, faut aussi voir que les petits pas peuvent aussi être des petites victoires qui amènent petit à petit pour inverser la tendance, et je pense que c'est ce qui compte aussi. Sylvain Louvet, vous avez quelque chose à rajouter sur cette façon de se mobiliser, effectivement, et peut-être un mot de la fin? Moi, je pense qu'effectivement, quand on regarde, je vais prendre l'exemple chinois, mais la société chinoise qui est extrêmement surveillée et qui a recours énormément aux technologies de surveillance, quand on voit effectivement, par exemple, le mouvement à Hong Kong, ça effectivement représente un bel espoir, c'est-à-dire qu'on a là l'exemple de citoyens qui sont alertes, qui sont avertis, qui effectivement décident d'utiliser des lasers pour parer la reconnaissance faciale, etc. Je ne dis pas que c'est une solution, mais ça montre que voilà, qu'ils font attention, et ça montre aussi que nous devons faire attention ici pour ne pas en arriver à ce que certains pays connaissent, quoi. Voilà. Jean-Baptiste Souffron, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je suis extrêmement confiant. Je pense qu'il ne faut pas... Évidemment, il faut se battre contre ce genre de texte, mais il ne faut pas non plus croire, un, que ce texte sera adopté en l'état et si facilement que ça. On l'a vu déjà avec de nombreux textes. C'est d'ailleurs un peu la spécialité de ce gouvernement, de faire des propositions de textes qui ne sont jamais adoptées ou qui ne sont jamais appliquées, hein. Donc, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter sur le fond. Ce qui est un peu plus inquiétant à mon sens, c'est ce que ça traduit de la volonté et de l'imaginaire des dirigeants de cette partie politique-là aujourd'hui. J'y vois un signal d'alerte très fort, mais qui ne correspond pas spécialement au fait que ce texte va passer ou pas passer. Même s'il passe, de toute façon, il sera combattu de partout et il n'aura qu'une influence probablement minimale sur la société française. Mais on est face à des gens qui veulent faire passer ce genre de choses, qui font des textes pervers et qui veulent pousser les gens au mensonge, à la dissimulation, privatiser des choses qui n'ont pas à être privatisées. Ça, moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup plus. Il y a une réflexion à avoir là-dessus. Merci Jean-Baptiste Souffron. Oui, c'est vous l'avez très bien dit, c'est une forme de philosophie qu'il s'agit de combattre aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait cette émission, pour vraiment faire comprendre ce qui se cachait d'une certaine manière aussi derrière ce texte de loi. Salomé, je te laisse conclure. Oui, cette émission touche à sa fin, donc merci beaucoup à vous trois d'avoir participé, d'être venus nous donner votre expertise. J'aimerais juste rappeler qu'effectivement, l'information, c'est le nerf de la guerre, et c'est vraiment ce pourquoi Le Vent Se Lève se bat.
J'aimerais rappeler qu'on est une association avant tout de bénévoles, que nous travaillons tous voilà, gratuitement et qu'on survit uniquement grâce aux dons. Donc n'hésitez pas à faire un don à l'association Le Vent Se Lève sur l'OSO. N'hésitez pas non plus, vous qui, si vous avez apprécié cette émission, si vous pensez qu'elle est utile, à la partager et à aller vous abonner à nos différents canaux de diffusion, donc sur YouTube, à notre page Facebook Le Vent Se Lève, mais aussi sur Twitter et sur Instagram. Et puis voilà, c'est la fin de cette émission. Moi, je vous dis à bientôt et encore merci à tous. Merci. 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 Merci.